Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Oh no, it's a chemtrail. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Oh no, it's a chemtrail. Elles apparaissent vers le milieu des années 90. Regardez le ciel, ces traces ne sont pas des nuages. Les responsables refusent de s'expliquer, ça reste une énigme. Que vaporise-t-il qui autorise cet épandage? De 3 à 5 parfois à une dizaine des avions apparaissent, déversent leur gaz dans le ciel en vol parallèle méticuleusement, région par région, des bataillons et des produits inconnus au bataillon. De nouvelles maladies apparaissent, lésions cutanées, Alzheimer, problèmes nerveux et respiratoires. On te dit de porter plainte contre X, zéro condamné, malgré toutes ces particules d'aluminium et de quartz. Ceux qui disent que c'est un hoax s'informent où? Chez la Fox, ils ont bien besoin d'une cure de désintox. Mais vu comme on nous intoxique, au propre comme au figuré, toute révolte est brisée comme ce sol devient fissuré. Chemtrail, quelle affaire, en longueur elle traîne, des traînées chimiques dans le ciel et on sait pas d'où elles viennent. Chemtrail, appelle ou envoie un mail à l'armée de l'air, ils te diront qu'ils ne savent pas d'où elles viennent. Chemtrail, ces traînées dans le ciel, d'où viennent-elles? Chemtrail, ces traînées dans le ciel, que contiennent-elles? Chemtrail, ces traînées dans le ciel, d'où viennent-elles? Chemtrail, ces traînées dans le ciel, que contiennent-elles? Pourquoi y en a-t-il autant dans le ciel des pays qui font partie de l'OTAN? Certains parlent d'armes climatiques, d'autres de virus et d'épidémies. Pour réduire notre nombre, est-ce qu'ils nous stérilisent? Bref, toujours est-il qu'après le passage des avions, difficultés de concentration, fatigue et dépression se font sentir dans les 3 jours suivants. C'est ainsi qu'ils affaiblissent les défenses immunitaires des êtres vivants. Les gouvernements du monde entier sont complices. Ceux qui les dénoncent sont traités de complotistes. Pourtant, dans leurs actes, jamais aucune transparence. Leur plan avance, mais il est classé secret défense. Fournir des explications à la population, dont ils préfèrent noyer le poisson, masquer les opérations. Bien sûr que leur attitude est gravissime, bien sûr que nos inquiétudes sont légitimes. Chemtrail, quelle affaire, en longueur elle traîne, des traînées chimiques dans le ciel et on sait pas d'où elles viennent. Chemtrail, appelle ou envoie un mail à l'armée de l'air, ils te diront qu'ils ne savent pas d'où elles viennent. Chemtrail, ces traînées dans le ciel, d'où viennent-elles? Chemtrail, ces traînées dans le ciel, que contiennent-elles? Chemtrail, ces traînées dans le ciel, d'où viennent-elles? Chemtrail, ces traînées dans le ciel, que contiennent-elles?
step instead of some Department of Public Health funding nonsense? How about you address the enormous elephant in the room? Geoengineering. Stratospheric aerosol injections, aka chemtrails. The deliberate heavy metal poisoning that gets sprayed in our San Diego skies almost every single day here. Aluminum, barium, strontium, lead, and who knows what type of smart dust and nanoparticulates. It is a slow poisoning operation being run on the people. Very similar to the depopulation shot you clowns deceive the people into accepting. There's a global cabal that's long been running this deliberate slow poisoning of the population. That's why there's fluoride in our water, Kathleen, and glyphosate in our food. All of this is going down on your watch. You're supposed to represent some 3.3 million people, right, Jim? You're not representing anyone. You're simply carrying out the bidding of this satanic entity. They offer the money and you carry out the crime. I don't know what I can say to help snap you out of it. I don't know. I think if you guys really realized what you've been responsible for, Joel, you'd shit yourselves. It's never too late to change course, though. You can be the ones to start the momentum of turning this ship around. Tell the World Economic Forum and the United Nations to go fuck themselves, Nora. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. The ARPA funds back. It's all blood money. If you're not in on it, you must be figuring that out by now, Helen. It's beyond time to wake up. Let's go. Une santé de fer, c'est travailler longtemps. Un boulet monétaire, au moins jusqu'à 160 ans. La guerre est un cadeau de la démocratie qui nourrit les gentils de l'eugénocratie. Demain, plus de douleurs, de piqûres d'insectes. Des vers dans ton assiette, aux saveurs bien injectes. Ah, le petit chemtrails qui quadrille le ciel. De beaux dessins d'enfants, d'enfer matériel. De ce menhir 5G, l'on irradie en douce. Et dans son bon bain d'onde, un troupe se trémousse. L'IA dans la vallée appelle les hauts dieux qui sortent du secret pour planter tous les vieux. Se lève la tribu et ses guerriers du cul. R-Code ouvrant la route au LGBTQ. Marche un nom sur la lune avec son agenda. Ses picornes s'en vont, vite au vent, etc. Dans ta télé, oh oh, tout est saut, tout est faux. Les fact-checkers, des fakes à longueur de plateau. Dans ta télé, oh,